Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 18 mars 2021, direction l'hippodrome de Caen pour le prix de Canapville, première course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 5 ans uniquement, européens, en découdront aux alentours de 13h50. Ce rendez-vous européen, donc disputé dans le département de la Normandie, plus précisément sur l'hippodrome de la Prairie à Caen, ne promet pas de très gros rapports avec un nombre de participants peu important ici. 32 000 euros seront à se partager et avant coup, quelques bases se détachent et devraient normalement jouer les premiers rôles. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 1, Aura SL. Elle est certainement en retard de gain dans ce lot. Avec l'aide de Romain Congar à son sulky, elle peut théoriquement mettre tout le monde à la raison. En deuxième choix, le numéro 13, Gay Printemps. Il a d'énormes qualités et n'est pas le plus riche de l'épreuve sans raison. Si Alex Abrivard a l'inspiration en course, il peut jouer la gagne dans cette compétition. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Good Moko. Björn Goup, son entraîneur, ne peut se mettre à ses commandes et il fait donc appel au service de Johan Le Bourgeois pour le faire monter sur le podium aujourd'hui. En quatrième position viendra le numéro 10, Eric The Hill. Il a été spécialement affûté pour ce rendez-vous par la famille Malmqvist. En théorie, il ne doit pas sortir des 4 premiers dans ce lot. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Galipette Piergy. C'est une femelle de qualité ayant les moyens nécessaires pour jouer l'une des 5 premières places à l'arrivée de ce Quintet Plus. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 3, Gaspard. Il est d'une louable régularité et partira avec la confiance de son entourage. Si tout se passe bien durant le parcours, il ne doit pas sortir des 5 premiers. En avant-dernier choix, le numéro 12, Goodman Turgot. Beaucoup de qualité pour ce représentant de l'entraînement de Franck Ham, qui a la dureté nécessaire pour faire le tour du peloton. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, Aguacat. Il est bien placé au premier échelon et partira avec la confiance d'une famille Chatola, se déplaçant sur l'hippodrome de Caen avec de logiques ambitions. En cas de non partant, le numéro 8, Goutte du Houlbé, qui rentre en étant déféré des antérieurs d'emblée, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi après-midi, la sélection couplée de Top Prono donne le couplet gagnant 10-12, ce dernier affichant tout de même un joli rapport de 31,65 €. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.